Alors, salut à tous, voilà mon nouveau petit radio réveil que j'ai acheté chez Banggood pour à peu près 11 euros en promo. Grand intérêt de ce radio réveil, c'est qu'à la fois il est discret, joli, et il fait une recharge sans fil quand on pose son téléphone compatible sur le dessus. C'est très très léger. Ça s'alimente avec un port USB. Et c'est d'ailleurs fourni juste avec le cordon, pas l'alimentation USB. On va le brancher. Voilà. Bon, là on n'y voit pas énormément, c'est quand même un radio réveil. Donc je vais couper la lumière. Ici, on y verra suffisamment. Voilà, donc il affiche ici l'heure. Et il affiche la température car il est équipé d'une sonde température qui ressort ici. Sa consommation électrique est très faible, comme on voit, c'est 0,5 watts. Et si je pose un téléphone compatible. Voilà. Il se met à charger. Et la consommation électrique devient alors le taux de 5 watts puisque c'est le téléphone qui consomme le courant. Les fonctions sont plutôt simples. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit voyant qui s'affiche ici lorsque la charge par induction est active. Voilà. Bouton power, le bouton flèche haut, M et flèche bas. Le bouton power, ça l'éteint. Bon. Ce bouton-là permet de changer de mode d'affichage. Il y a trois modes, DP1, DP2, DP3, qui permettent d'afficher soit l'heure, soit la date, soit l'heure et la date qui vont basculer de l'un à l'autre, dans un cycle de 15 secondes. Je préfère afficher que l'heure, donc j'ai mis le DP2. Pour régler l'heure de l'alarme, ça se passe sur mode. Donc ici, on va pouvoir régler la date. Ici, on va pouvoir régler la première alarme, la deuxième alarme, la troisième alarme. C'est toujours ce bip désagréable pour l'alarme, c'est le seul point négatif que je pourrais trouver à cet appareil. Sinon, pour le reste, bah, il est simple et efficace. Allez, ciao!